Salut, salut, bienvenue pour ce stream du dimanche fin d'après-midi. Je suis Nils, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Kubernetes. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Salut à toi, The Bidouilleur. Hop, alors ça c'est bon. Ça, qu'est-ce que ça donne? Alors... C'est vrai que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de cube. Enfin, que j'ai pas essayé. Surtout qu'on s'est attaqué quand même il y a 2 semaines à un truc un peu corsé. Alors, bon, si jamais vous regardez cette vidéo en replay, forcément... forcément... Ça paraît pas long. Mais... C'est vrai que de mon côté, le temps s'écoule de la manière classique. Alors, où en étions-nous? Où en étions-nous? Alors, l'objectif, ça reste de monter un cluster Kubernetes et puis ensuite d'aller mettre deux trois bricoles dessus. Et il y a 2 semaines, donc, on avait déployé un certain nombre de machines virtuelles. Et sur ces machines virtuelles, on avait démarré le TP Kubernetes The Hard Way qui est disponible sur GitHub. Hein. D'ailleurs, ce que je vais faire tout de suite, c'est passer sur cette fenêtre-là. Et vous donnez bien entendu le lien vers le dépôt. Quoi de beau, quoi de neuf, bidouilleur, sinon? Et les autres d'ailleurs. Hein. Hop là. Donc, on avait démarré par... Bon, alors les prérequis, normalement, on avait dit qu'on allait le faire sur une machine à moi, qu'on n'allait pas le faire chez Google. Donc on avait fait des allers-retours dans les différentes pages de la documentation, justement pour voir combien de VM il me fallait, combien de mémoire, combien de CPU, ce que j'allais utiliser comme OS. Et alors si je vais là-dessus. Et toi tu bosses sur un cluster ARM avec K3S. Tu découvres le CI/CD sur Cube et le monitoring avec Prometheus. Oh là là. Et ben alors, console, serial. Ok, j'ai un truc. Ça c'est plutôt rassurant. D'ailleurs je vais revenir là. La console. Reviens sur la console graphique. Eh, dis donc, cluster ARM, est-ce que c'est un cluster ARM Pro avec des serveurs ARM ou est-ce que c'est du Raspberry Pi ou autre petite board, on va dire, abordable? Alors, est-ce que ce que j'ai fait se rapproche de la CI/CD vaguement? Et tu es avec des ROC 64 et deux Raspi 4. Les ROC 64, c'est les trucs de chez... mince. C'est les trucs de chez Pine, c'est ça? C'est les trucs de chez Pine, maintenant. Si je dis pas de bêtises. Exactement. Alors, pour l'anecdote, j'ai une machine de chez eux. J'ai un Pinebook. Alors, pas un Pinebook Pro, hein, un Pinebook tout court. En 11 pouces Full HD et en fait il est au fond d'un tiroir parce que le plastique est pas de super bonne qualité et le châssis au niveau du au niveau en fait le châssis en bas de l'écran, enfin alors pas en bas de l'écran mais au niveau en dessous droite de l'écran a un peu cassé. Donc il faudrait que je rachète juste la partie en question et que je la change. Mais du coup la machine, quand j'essaye de l'ouvrir, en fait il faut vraiment que je tienne les deux morceaux et que je l'ouvre comme ça. Et sinon j'étais quand même un petit peu déçu, ça me manquait un peu de peps, en tout cas le premier Pinebook.
Le PineBook Pro, a priori, est bien plus performant. Par contre, je vois un truc. Est-ce qu'au niveau son, ça passe? Parce qu'en fait, je vois que au niveau de mon vue-mètre, le micro s'affole un peu quand je cause. Et donc, je crains que ma voix soit un peu forte. Si ça se trouve, vous n'entendez peut-être pas la musique. Ok, est-ce que là c'est mieux? Et pas de musique. Alors. Là ça sature plus. Je vais rebaisser quand même encore un peu. Voilà. Comme ça va me permettre, même si je parle parfois un peu fort, de ne pas aller saturer au niveau du vue-mètre. Ok. Et pour ce qui est de la musique, eh ben, je vais monter un peu le son côté. Hop là. Voilà. Et là, est-ce que la musique, elle est juste pas trop forte? Alors, du coup, là, j'ai. Ah, trop fort. Ok. Voilà. Hop. J'ose espérer que cette fois-ci, la musique est audible. Nickel. Merci pour les retours. Super. Bien. Alors, où est-ce que j'en étais, moi? Oui, donc je disais, ouais, le Pinebook en soi, c'est une super idée. C'est une super idée et j'aimerais bien essayer de bidouiller un petit peu plus à l'occasion avec. Mais pour le moment, c'est pas encore ça. Revenons quand même à notre histoire de Kubernetes. C'était il y a 2 semaines, alors du coup je ne sais plus où j'en étais. Et je voulais me connecter justement sur. Justement, je voulais me connecter sur l'une des machines. Alors, de mémoire, on avait fait un certain nombre de machines. Et il y en a une qui était censée être la machine d'administration, si je me rappelle bien. Si je reviens d'ailleurs sur mon truc, j'ai de node 1, de node 0 à node 6. Donc, j'ai 7 machines. Et je crois qu'il y a la 0 qu'on va utiliser pour se connecter à tout le reste, en fait. Et les 1, 2 et 3 qui sont, je crois, les contrôleurs. Et les 4, 5, 6 qui sont juste les workers. Alors en gros, c'est quoi tout ce charabia? L'idée, c'est d'avoir 3 nœuds qui, entre guillemets, contiennent les informations justement du cluster, qui gèrent le cluster. Et donc, il y en a plusieurs pour que si jamais l'une d'entre elles se casse la figure, et ben, il y en a toujours une autre qui fonctionne. Et puis, le fait d'avoir un nombre impair, j'imagine qu'il doit y avoir des histoires de quorum. Donc ça permet d'être certain que quand il y en a une qui est... Ah ouais, comme ça, Streamlabs, il me squeeze un first time chat. Vilain Streamlabs. KTZN FR, je sais... Ah, t'étais en all caps peut-être. Ouais, le all caps, c'est pas ouf, c'est vrai. Ouais, mais The Bidouilleur, toi, je crois que tu as... Remarque, c'est déjà pas ton premier message. Tu comprends que dalle, mais c'est le feu. Tu comprends que dalle. Alors, est-ce qu'il y a des trucs... est-ce qu'il y a des trucs que tu veux que j'explique un petit peu plus en détail, peut-être? Pendant ce temps, je vais peut-être essayer de me connecter sur les... alors, si je sais pourquoi je voulais revenir dans un... Si je fais ici... Terraform, refresh... Hop, en théorie,
Voilà, j'ai les IP de mes nœuds. Ah, ok, soit. Bon, écoute, je t'en prie. Profite du spectacle et bienvenue à toi. Alors, essayer de me connecter déjà sur cette babasse. Est-ce que j'avais pas déjà prévu déjà les nodes par hasard? C'est ça que je voulais vérifier en fait. Je suis un peu. Alors. Je m'étais mis dans quel réseau? 10240? Est-ce que j'avais fait un truc pour les 10240? Ouais, j'avais fait un truc pour les 10240. Donc, si je fais ça, normalement, tout va bien. Voilà, je suis sur la machine node 0. Je me suis connecté à distance en ligne de commande en utilisant SSH. Qu'est-ce que j'avais fait avant? Ah oui, avant, j'avais fait plein de trucs. Je vais peut-être me lancer lancer tout ça dans un tmux, hein, au cas où. Mais ouais, voilà, j'avais fait plein de fichiers en fait, tout un tas de configurations. Et si je regarde à nouveau l'historique de mes commandes, j'ai un certain nombre de commandes qui doivent. Oups là. Ouais, tout ça, c'était les trucs. Ok, toute la partie où en fait on avait créé tout un tas de fichiers d'autantes. De clés et de fichiers de configuration. Donc, ça c'était installer les outils clients. Ça, les outils clients, on les avait installés, donc sur node 0. Donc, le provisioning compute resources. Donc, ça, c'est justement, j'en avais parlé tout à l'heure, je m'étais dit combien de VM on fait. Et donc, a priori, les règles, a priori, bon, a priori, on est bien sur ça. Enfin, on verra bien. Voilà, compute instance. Donc, là, en gros, il dit de faire. Trois compute instances qui vont s'appeler contrôleur quelque chose. Donc du coup moi c'est les nodes 1, 2 et 3. Et ensuite les workers qui de mon côté sont les nodes 4, 5 et 6. Donc on a normalement un accès SSH qui sera bon. Ça, l'autorité de certification et les certificats TLS, on les a générés la dernière fois. Donc ça normalement on est bon aussi. Les fichiers de conf pour l'autant, ça normalement on les a fait aussi. Alors, data encryption config and key. Alors, encryption config.yaml. Encryption config.yaml. Donc a priori, ça c'était fait. Et on avait même copié le encryption config. C'est ça. Ensuite, et ben ensuite, il va falloir bootstrapper ce qu'on appelle le cluster etcd. Alors qu'est-ce que c'est que ce charabia? Alors, normalement, c'est expliqué. Donc il nous dit que les composants d'un cluster Kubernetes sont sans état. Et que les informations d'état du cluster sont stockées dans un logiciel qui s'appelle etcd. Alors, qu'est-ce que c'est que ce logiciel etcd? En gros, hop, si on va sur le projet, il dit que c'est un système de stockage sous forme clé-valeur qui est fait pour être distribué et reliable et enfin, sur lequel on peut compter, c'est fiable en théorie. Et donc l'idée c'est en quelque sorte d'avoir une configuration des fichiers des informations de configuration qui sont stockées dans ce logiciel-là, dans etcd, sous forme clé-valeur. Donc par exemple, je sais pas moi, gourde orange par exemple. Bon, je suis pas sûr que mon exemple soit très pertinent, mais c'est pas grave. Toujours est-il que, a priori, sur cette partie-là, c'est la partie 7, donc l'idée, c'est de créer en fait un cluster etcd sur les trois contrôleurs. Donc dans mon cas de figure, ce ne sera pas contrôleur 0, 1 et 2, ce sera node 1, 2 et 3.
et donc il va falloir lancer sur chaque contrôle. Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait un truc avec Temux aussi. Hop. Ah oui, c'est vrai que je m'étais pas... est-ce que je vais pas en profiter pour m'installer mon petit confort Temux, moi? Histoire d'être tranquille, hein. Je vais peut-être commencer par ça. Allez. Alors. GitHub. The Builder. Sur la doc de Rancher, on pouvait stocker les données de ETCD sur une base donnée. Ah, intéressant. Alors, je vais en profiter pour aller récupérer juste mon petit confort. Un petit instant. Hop. Alors, puisque je suis sur... On va installer quelques logiciels. Alors... Alors, je sais pas tout ce qu'il y a. Tiens, il n'y a pas exa. Hop, ok. J'étais mux, donc a priori c'est bon. Ah, s'il faut que j'installe mec aussi. Voilà. Je fais un petit make install. Voilà. Je me déconnecte. Je me reconnecte. La tête du shell, déjà, elle a changé. Si je suis un tmux et que j'utilise mes raccourcis custom, c'est bon. Donc là, déjà, je vais être un petit peu plus confort. Oui. Donc là, je suis dans Node 0 et à la limite, hop là. Là, on va être bien. Alors, pour reprendre ta remarque, effectivement, alors stocker les données de ETCD sur une base de données. Alors, j'ai pas assez pratiqué ETCD pour savoir à quel point ça peut être pertinent ou peu pertinent. Mais j'imagine que si ça a été fait, c'est qu'il y avait une bonne raison. Je vais vous demander un tout petit instant. Promis, ce sera court. Hop, et me revoilà. Et hop, je remets la bonne scène. Alors. Donc, où en étions-nous? Nous avons... On se connecte sur le contrôleur. Ah oui, il faudrait... Ah oui, c'est pour ça que je voulais faire mon petit confort Temux pour lancer des commandes en parallèle. Hop. Et donc, ce que je peux faire ici, c'est faire... Hop, hop. Me connecter à... Il me faut, hop, node 1, 2 et 3, donc 101. Donc en toute logique, ah oui, permission denied. Comment je m'y étais pris l'autre fois, tiens? Ouais, helping. Ok, est-ce que je m'étais embêté à faire des
Hey, merci beaucoup pour le follow, Tofali. Merci à toi, c'est très gentil. Alors. Et merci à toi, Spido. Merci à toi. Ok, donc pourquoi est-ce qu'il veut pas que je me connecte en SSH directement depuis une node 0? On avait fait. Pourtant on avait fait les choses. SCP, mon AP sur. Ah oui, node 0. Ah, j'avais fait les confs. Ok, j'avais fait les confs. Ok, tout va bien. Si je fais node 1.many_nodes local. Ah non, j'avais pas fait les confs. Ça a dû être. Ça devait être juste la partie DNS locale de la libvirt. J'avais créé une clé. Non. Permission denied. C'est quoi cette blague? Pourtant, si je me connecte ici, bah, je suis sur node 1. Ok. Il a accepté la clé. C'est chelou ça. On va faire un moins V. Est-ce qu'il faudrait pas genre que je reparamètre le. Il veut que de l'entente par clé. Non. Password authentication. Ah, il est à nous. Ok. Il est à nous et. Et j'ai juste ma clé classique. Ok, soit. Soit. C'est assez étonnant dans ce cas-là que j'ai pu copier les autres trucs avant. Ah, j'avais peut-être fait. Si, je crois que si. Si, je sais ce que j'ai fait. J'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Enfin, la dernière fois. C'est-à-dire que la dernière fois, j'ai fait un forward d'agent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un forward d'agent? C'est-à-dire que. C'est-à-dire qu'en utilisant l'option moins grand A, donc qui n'est pas franchement recommandée, en fait, ma clé d'authentification se retrouve quelque part partagée, transférée sur la machine distante. Et ça me permet de pas copier la clé privée ailleurs. Bien. Donc, si je reviens ici. Là, cette fois-ci, si je me reconnecte comme ça devrait être mieux. Enfin, s'il décide de se bouger, on y croit. On est patient. Oui, voilà, c'est pour ça. Alors. Et il faut que je fasse un set synchronize pane on. Ok. Après. Donc là, on va faire un petit SSH node 2.many_nodes
point local. Oui, c'est vrai qu'il est un peu long. Il est un peu long. Mais ça me dit un truc, je me demande si on n'avait pas fait quelque chose sur ça. C'est le rename window. Alors pourquoi? Ah oui, c'est deux points. C'est ok. Si je reviens ici, voilà. Et là, je fais un oups. Et là, je fais un set synchronized panes à on. Voilà. Et là, pareil. Donc, maintenant, il me dit quoi? Il me dit de télécharger et d'installer. Donc, on va installer en fait à la main etcd. Et donc, a priori, il suffit de copier cette ligne-là. Et ensuite ce qui nous fait télécharger en fait. On utilise wget pour télécharger, on le fait en, de façon silencieuse, en montrant quand même la progression du téléchargement. Et on va le tenter, hein. Allez. Mais non, c'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. Voilà. Donc là, il me l'a télé. J'ai lancé en fait la commande. En même temps sur les trois machines via Tmux. Et ensuite, il faut extraire et installer le serveur etcd et l'outil etcd-ctl. Donc, je vais commencer par ça. Voilà. Ensuite, je fais ça. Donc en gros, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Là, j'avais téléchargé une archive targz. Hop. Ici, on l'a décompressé et on a déplacé tous les fichiers qui commencent par etcd et qui viennent de ce répertoire nouvellement créé, puisqu'il vient de l'archive. On les a déplacés dans USR localbin. Et on l'a fait avec les droits administrateurs pour éviter les problématiques de droits. Maintenant, ce qu'il nous propose de faire, c'est de créer des répertoires de configuration et de stockage de configuration pour l'outil etcd, d'ajuster les droits et d'aller copier les fichiers d'authentification de etcd dedans. Si jamais je fais un petit ls-hl sur toutes les machines, on peut voir qu'on a nos fichiers d'authentification. Et donc, on va les copier après. Alors, a priori, il y a peut-être moyen de lancer toutes ces commandes comme ça à la suite. Donc, on va le faire. Paste anyway. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Il n'est pas content parce que je vais copier-coller des commandes avec sudo dedans. Et tout à l'heure, il a pas ronchonné parce qu'il n'y avait pas, entre guillemets, il n'y avait pas l'appui sur la touche entrée qui était contenu dedans. Donc, il y avait encore moyen de vérifier. Là, par contre, ça y va en mode YOLO. Donc, mon terminal me dit « Eh, au fait, je pense que tu es en train de faire une grosse bêtise. Ce serait bien que tu regardes à deux fois. » Enfin, tu regardes un peu plus précisément ce que tu es en train de faire. Donc, et il le disait, hein, « Be sure to you understand what each part of this command does. » Donc, soyez certain de comprendre ce que chaque partie de la commande fait. Hop, entrée. Et ça, normalement, c'est fait.
Alors, l'adresse IP interne de l'instance va être utilisée pour servir les requêtes clients et communiquer avec le cluster, avec les, ah oui, les machines du cluster etcd. Alors, l'internal IP, il faudrait que je revienne sur ici. Ok. Alors, a priori, on avait choisi quoi comme adresse IP interne? Dig plus short. Salut à toi GNUPG. La multisession synchronisée, c'est une fonctionnalité. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est une fonctionnalité de Temux. En gros, à un moment au début des tutos de Kubernetes The Hard Way, il te précise que Temux peut être utilisé pour ça. Et il précise avec les raccourcis clavier par défaut, donc CTRL-B et Shift 2 points. Et ensuite, tu rajoutes Set Synchronize Panes On. Et quand tu veux le désactiver, bah, tu fais pareil, mais tu fais Off. Et d'ailleurs, bienvenue à toi sur le chat et sur la chaîne. Et tant qu'à faire, tiens, je vais copier-coller directement la page où c'est, si jamais tu as envie de te la mettre en favori. Merci beaucoup pour le follow, Amato Yoshi. Merci à toi, c'est très gentil. Il va falloir que tu te mettes à Temux. oui, ça permet de faire des trucs pas mal. Après, je me pose la question de est-ce que mon terminal, mon émulateur de terminal qui s'appelle Tilex, permettrait pas aussi de le faire. Mais je n'ai pas creusé la question, pour être complètement transparent. Après, il y a aussi une autre manière de faire. Si jamais tu veux lancer plusieurs fois la même commande sur plusieurs machines différentes, pardon, tu as Cluster SSH qui marche pas trop mal. Alors je crois pas que je l'ai installé là sur cette machine, mais je m'en suis déjà servi à plusieurs reprises et aussi d'ailleurs dans le cadre professionnel, ou quand j'avais besoin de lancer justement plusieurs fois la même commande en même temps sur une ferme de 10-15 bécanes, cluster SSH, tu te retrouves avec par contre une fenêtre par machine, plus une toute petite fenêtre qui fait comme ça, et dans laquelle c'est... Alors le truc est franchement immonde au possible, enfin je veux dire, d'un point de vue esthétique, c'est pas ouf, mais t'as un pauvre petit truc comme ça, et tu tapes dedans et tu vois pas trop ce qui se passe, tu tapes à l'aveugle, mais si tu regardes les fenêtres de tes instances SSH, tu vois le texte. Donc c'est assez... Alors, je suis curieux de savoir... Alors ça, à mon avis, ça sent le truc spécifique quand même à Google Cloud. À mon avis, si je lance ça ici, je pense que je me fais envoyer bouler. Je pense que Google va me dire... Ouais, ça en est... Ouais, point Google, point internal. Ok. Bravo, Nims. Bravo. En train de me demander si quelqu'un a osé clipper ça. Donc, a priori, pour chaque instance... Ouais, donc autant... alors, il y a un truc qui me... J'avais fait quoi, là Alors, attends, c'était quoi, le truc? Je crois que je m'étais un peu cassé les dents sur le truc là l'autre fois. For example, note 4, note... Ah oui, d'accord. Donc en gros, il veut juste l'IP de la machine. Il veut juste l'IP de la machine, donc on va le faire autrement en fait. J'ai perdu mon... Ah, là. Hop.
Donc je peux faire IP-4 moins O IP ADDR show. Ok. Et a priori ce sera l'interface ENS3. Dev ENS3. Ok. Pipe aucun. Hop. Et donc, hook, on va faire un petit print. Et on va printer dollar 1, 2, 3, 4. Ah oh bah tiens, hop, dollar 4, comme ça. Et je suppose qu'il veut que l'adresse IP. Ce qui veut dire que on va lui dire pipe. Alors, je balance un petit sed et on va faire un sed de s slash 24 ouais alors bon c'est je alors honnêtement je maîtrise mal, et c'est un truc sur lequel je devrais quand même travailler peut-être un peu. Je maîtrise mal les commandes tr et cut qui sont très très pratiques pour faire ce genre de choses-là. J'aurais pu faire deux hooks à la suite, ou peut-être que j'aurais pu travailler avec hook selon ce que je voulais vraiment afficher. Mais j'aurais passé un quart d'heure dessus. Là au moins, je me rappelle qu'avec sed, ça passe relativement vite. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? La commande IP permet de récupérer un certain nombre d'infos et de paramétrer aussi des adresses IP sur des interfaces. J'ai décidé de limiter la possibilité à IPv4, donc j'ai mis moins 4. J'ai décidé que aussi les informations n'apparaîtraient que sur une seule ligne. Et ce que j'ai décidé de faire à cette commande IP, c'est juste de m'afficher l'adresse IP et uniquement pour l'interface ENS3. Donc à ce moment-là, j'ai toute cette ligne-là. Donc ça, c'est une seule ligne. Alors je sais que ça revient là au bout, mais ça ne tient que sur une seule ligne. Derrière, j'ai utilisé GnuHook, qui est super pratique, et je lui ai dit affiche-moi seulement le quatrième champ. Et comment est-ce qu'il sait la différence entre un champ et un suivant? Par défaut, c'est espace, un ou plusieurs espaces. Donc si je compte, là j'ai un truc, ça fait un. Là, j'ai un autre truc, ça fait 2, 3, et là, ça fait 4. Et ensuite, j'ai utilisé sed pour remplacer chaque fois qu'il voyait slash 24 par rien du tout. Alors, je crois que j'aurais pu faire peut-être un D, je crois. Mais bon, ça marche aussi comme ça. C'est peut-être pas le plus optimisé, c'est peut-être pas le plus propre, mais ça marche. Et donc, a priori, on a les adresses IP. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est je vais pouvoir rappeler la commande. Et d'après le truc, il faut que je lui déclare une valeur qui s'appelle, enfin une variable qui s'appelle internal IP. Donc hop, comme ça. Et hop, hop, comme ça. Donc là, toutes les machines ont une variable enregistrée avec leur propre adresse IP. Ensuite, il nous dit pour chaque membre TCD, il faut aussi le nom de la machine. On va regarder ce que donne hostname-s quand même. Ça donne ça, c'est parfait. Hop, voilà. Et maintenant, on va copier-coller ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gros morceau? Ce gros morceau, visiblement, c'est qu'il nous fait faire à la main, puisque a priori on installe déjà etcd à la main. Il va nous faire faire le service systemd de etcd à la main. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Et ben systemd, en fait, on va dire, ses limites sur Linux aujourd'hui. En tout cas, le logiciel init le plus utilisé. Et donc, c'est lui qui gère, en fait, entre autres, les services sur une machine, entre autres. Donc, on a notre petit fichier de conf. Alors, il nous l'a fait mettre où? J'ai pas fait gaffe. Ah oui, dans ETC. Bon, ça c'est très bien.
Et on va pouvoir faire un petit 4 comme ça, pour s'assurer que tout va bien. Ok, c'est bon. Et donc, si je tente... Enfin, si je regarde déjà ici, 10 de sort 40, 0, 10. Echo. Dollar internal. Hop, underscore IP. 10 de 140, 0, 101. Et là, je suppose que si je fais comme ça un petit grep de ça dans ETC System. Hey, merci pour le follow, Marmas. Merci à toi. ETC System D System. ETCD.service. Donc, a priori, on est bon de ce côté-là. Et si je fais un grep de l'autre truc qui nous a dit de faire, qui était a priori etcd name, est-ce que il est utilisé? Oui, il est utilisé. Dollar etcd name, là on est bon. Donc à partir du moment où ça c'est fait, on va pouvoir démarrer notre serveur etcd en utilisant justement systemctl, qui est la commande qui permet de gérer tout ça. Hop. Et il a fail, et je suppose que bien entendu il ne devrait pas fail. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici, moi je vais me connecter sur le node 1 comme ça, et on va checker un peu tout ça. Donc on va refaire un système CTL start TCD, et puis on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Il nous dit qu'il a fail et il nous dit qu'on peut vérifier ça avec le status ou journal CTL. Alors, il nous dit juste qu'il a fail avec exit code. Est-ce qu'on ne se serait pas... Alors, il dit code exited status failure. Ok. Alors, je vais relancer le BINU pour avoir le journal CTL-XE. Alors, il nous dit quoi? Couldn't find local name node 1 in the initial cluster configuration. Ah! Pourtant. On va tenter comme ça, tiens. Et on va relancer, hop, ce truc-là. Roulement de tambour. Est-ce que ça passe? Non, toujours pas. Merci beaucoup pour le follow, Scartis. Merci à toi. C'est très gentil. Alors. C'est dingue ça, j'en ai fait. Il me dit juste failed. Comme ça. Sans rien dire. Non, il est vraiment pas lancé. Tiens, c'est étonnant. Je suis censé avoir copié quoi comme fichier? Ok. Alors, si je reviens,
ici. Et je crois que les derniers trucs, voilà, c'était le SCP Encryption Key. CA.PEM. Alors. On avait fait quoi? On avait copié le CA1, le CA qui, Kubernetes. Ok. Ouais, donc a priori c'est le même fichier à tous les endroits, ok. Donc a priori tous ces fichiers-là existent, kubernetes.pem, ca.pem, kubernetes-key.pem aussi. Je suis bien sur la bonne IP. Et là, j'ai initial cluster contre contrôleur-0, contrôleur-2. Contrôleur-1. Oh, ok, je crois que j'ai compris. En gros, c'est vrai qu'il a hardcodé les trucs ici. Et il va falloir le changer. Ok. Donc effectivement lui c'est node 1. Voilà. Salut à toi Ferdodo. Alors, donc là, contrôleur 0, ce sera node 1. Contrôleur 1, ce sera node 2. Contrôleur 3. Contrôleur 2. Ce sera node 3. Hop. Et ensuite, eh ben, il faut que je reprenne les IP. Donc lui, bah, c'est node 1, donc c'est 101. Si je reviens ici, node 2, c'est 185 et node 3, c'est 171. Et 171. Voilà. Je vais finir par croire que j'aurais peut-être dû faire un truc custom au niveau de mon déploiement de VM pour créer tout ça. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Hop. On va le relancer nous-mêmes à la main. Hop, ça c'est bon. Ça, on va le réinébler, mais normalement, il n'y a pas de besoin. Là, c'est le start qui prend son temps. On a dit node 1. Hop. Ah! Ce serait peut-être bon signe. Ce serait peut-être bon signe. Il a joué un truc qui se lance. Et il a fail. Il a fail. Ok. Alors. Je vais te répondre, faire dodo. Est-ce que j'en ai au fetch là-dessus ou pas? Non. De toute façon, c'est très simple. Hein. Je vais me déconnecter, je vais me reconnecter. Hop. Et donc.
sur les VM, c'est une Ubuntu 20.04 LTS. Pourquoi c'est une Ubuntu 20.04 LTS? En fait, j'ai pris ce qui était indiqué dans le document Kubernetes Hardware, où à un moment, quand il dit provisionner compute resources, ah, moins que ce soit dans les prérequis. Hop, dans les prérequis, il dit quoi? Non? Où est-ce qu'il le dit? Hop. Mais à un moment, il dit, voilà, on va créer des VM Ubuntu, telle version. Voilà, c'est ça. Voilà, elles vont être provisionnées avec de l'Ubuntu Server 20.04. Donc, plutôt que de faire, des trucs différents, sachant que je suis déjà assez différent par rapport à la doc, puisque j'ai choisi de ne pas donner de l'argent à Google, en tout cas pas sur ce sujet-là. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu? Alors... Et en fait, oui, j'installe tout à la main. Parce que là, normalement, tout est en théorie pris en charge. Enfin, pris en charge. En gros, hop, ici. Ça, je vais le mettre ici. Tout ça, là, c'est fait exprès. Il a juste timeout. En réalité, ça marchait peut-être. Ah. Alors, je n'ai pas encore vu le message d'erreur du PG qui dirait que ça a timeout. Après, peut-être que justement, il faut que je les lance tous les trois en même temps. Et que donc, j'aille faire mes modifs sur les trois autres. Enfin, sur les deux autres. Systemd timeout to start, pas etcd. Ah. Effectivement. Loaded, active. Publish error, mais ça, c'est parce que ses copains sont pas là. On a dit etcd. Hop, voilà. Donc, j'ai compris, il faut que j'aille corriger cette ligne-là. Sur les autres nodes. Allez. 185. etc systemd etcd service. Hop. CD. Salut à toi, Riz Jack. Oui. Hop. J'espère que t'as passé un bon week-end. CD. Hop. Ok. Et là, ça se passe. Ok. Cool. ETC. Systemd. Système. Hop, etcd, service. Ah bah écoute, ça se passe pas trop mal. J'ai juste un petit peu la goutonnée ce soir, entre guillemets. Petit rhume des foins, mais je m'en sors pas trop mal. Alors, c'était le Daemon Reload. Voilà. Et ensuite, restart, etcd. Et avec Kubernetes, tu as Docker où les deux sont dissociés? Bonne question. Bonne question, Faire Dodo. D'après ce que j'ai compris, mais je me trompe peut-être, en gros, Kubernetes a son propre moteur de conteneur. Il est possible qu'il ait d'abord utilisé celui de Docker, mais...
Parce qu'a priori ici il utilise container D. Voilà. Open and reliable container runtime. Merci beaucoup pour le follow Antoo12. Merci à toi. J'en profite pour signaler aux nouveaux followers que si jamais vous voulez aussi me voir sur les. Me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire point d'exclamation socials dans le chat. Vous retrouverez l'adresse de ma page perso qui regroupe tous mes réseaux sociaux. Ferdedo qui dit Docker n'est plus officiellement supporté de ce que tu avais compris. Je t'avoue que ça me dit vaguement un truc, mais que j'avais pas dû suivre à l'époque, puisque je ne m'intéressais pas encore au sujet. Donc, a priori, on a réussi à démarrer notre serveur etcd sur nos trois nœuds. Et donc, on peut lister les membres du cluster en utilisant ça. Hop. Alors là, du coup... Ah, zut, j'ai fait une bêtise. Voilà. Alors, je reviens ici. Je reviens même... Là, donc là, j'ai la commande qui va être lancée sur toutes les machines en même temps. Donc, si je copie-colle, a priori, j'ai la même chose pour tout le monde. Voilà. Donc là, j'ai mon petit cluster etcd à la main. Donc, effectivement, j'ai bien la bonne sortie. Ok, ça, c'est cool. Donc, grâce à ça... Je vais avoir des informations de configuration stockées sous forme clé valeur sur les trois machines à la fois. Et donc, je pourrais me permettre d'en perdre une, voire deux. Maintenant, on va enfin... Alors, je dis enfin. là, l'idée, c'est de démarrer a priori le control plane de Kubernetes. Donc, j'imagine que... Et je dis bien j'imagine, hein, je ne sais pas, mais je suppose que... le control plane Kubernetes va tirer parti de notre cluster etcd. Alors Marmas, je n'ai absolument pas compris ce que tu dis. Alors, et donc a priori on va, ah oui, on va le configurer pour qu'il soit hautement disponible, ok, et on va aussi créer un external load balancer qui expose les serveurs API à des clients distants. Salut à toi Plop 1980. Ah oui, tout à fait. Alors ça, le nombre de fois où on m'a rajouté un E dans le prénom, si on m'avait donné 1 € à chaque fois, je pense que je serais millionnaire aujourd'hui. Donc bienvenue au club. Et ben c'est la fête. Maromas, ok, to be honest, I don't speak a single word of Spanish. I'm sorry. But hello to Mexico people. Et on t'ajoute souvent le maléfique aussi. Et GnuPG et Plop 1980, on vous a fait, je suppose, récemment, enfin récemment, on va dire depuis peut-être 4 ou 5 ans, le Oba Bravo aussi. Ça vous poursuit aussi. Alors. Donc, a priori, il va falloir lancer les commandes sur tous les contrôleurs aussi. Bah ouais, voilà. Ok. Je compatis. Vous avez, mais alors, toute ma sympathie. Je... Ouais, on avait une bonne réputation avant ce même. Je suis complètement d'accord.
Ça nous a complètement. Mais bon, mieux vaut en rire. Ouais, non mais exactement, faire dodo, c'est le coup de la caméra, franchement, ça va bien au bout d'une dizaine, mais franchement au bout de 40 caméras. Encore que ça va, je pense pas avoir cassé de caméra dans ma vie. J'essaie de me rappeler si j'ai pas déjà cassé une caméra. Non. Non. Puis pour être honnête, je fais pas de ski. Donc comme ça au moins ça règle la question. Ça c'est très bien venu PG, bravo. Enfin bravo, de façon complètement premier degré et sincère, hein. Je dirais même GG. Où est-ce que j'en étais moi avant cette histoire de caméra cassée? Donc, ouais, on va devoir lancer les commandes sur les trois instances de contrôle. Et donc, est-ce qu'il va encore nous faire des trucs? Alors, on va peut-être essayer de lire un petit peu avant de lancer les commandes bêtement. Donc ça, a priori, pas de souci. Il va nous refaire un wget pour aller récupérer... Ouais, d'accord, pour installer Cube. Ok. Kubectl. Ok, tout va bien. L'API serveur, donc ça, ok. Ça, les IP internet, tout ça, a priori, on les a déjà. On a déjà fait le A. Une histoire de région. Et on a une adresse IP Kubernetes. Ça, je me demande si on n'en avait pas, on n'avait pas essayé de la définir. Et ensuite, on a les. Ah oui, voilà, il va falloir remodifier ça. Donc là, à nouveau, il va nous faire créer une unité systemd à la main. Et il faudra penser à modifier le contenu de l'unité systemd. Ok. Et ensuite, un petit mv. Ok. Encore une unité systemd. Ça, a priori, on s'en fiche. Non, ça, c'est bon. Donc celle-ci, ce sera bon. Le kubescheduler.yaml, rien de particulier. Cette unité systemd encore là, pas de souci. Et ça, a priori. Ouais, ben ça on pourra le faire aussi. Ok. Et vérification, le contrôle plane. Ok. Ah, il commence à devenir long là le truc, hein. Je pense que cette page, on va y rester un petit moment, hein. Pop-pop-pop-pom. Ok, a priori tout le reste. Il y a encore l'adresse IP publique qu'il va falloir qu'on récupère à nouveau. Ah oui, là par contre les sources firewall, bon, ça je suppose que c'est pour, ouais, c'est pour le load balancer. Ok, bon. Donc il faudra quand même qu'on fasse un peu attention. Et donc, GnuPG qui nous dit pour la petite histoire, tu l'as réparé en la tapant très fort contre une table. Ok, bah écoute, si ça marche, tant mieux, hein. J'ai envie de dire. Bravo quand même, hein. Par contre, je suspecte qu'au bout d'un moment, cette méthode risque d'avoir ses limites. Alors. Allons-y. Hop. Ensuite, le petit wget pour aller chercher les binaires. En plus, il nous faut aller chercher directement les binaires. Il n'y a même pas besoin de télécharger comment dire, une archive et de la décompresser. Iris Jack qui précise qu'au bout de plusieurs caméras, c'est la table qu'il faudra réparer aussi. Pauvre table.
Donc voilà, on a téléchargé les binaires Kubernetes. Maintenant, on va aller les installer, c'est-à-dire qu'on va les rendre exécutables et ensuite on va les déplacer dans usr local bin. Ok. Voilà. Ensuite, on va créer un répertoire et on va aller copier des fichiers. Hop, au bon endroit. Merci beaucoup pour le follow. Yogitigé, pardon. Si j'écorche vos pseudos, dites-le, hein, n'hésitez pas à me le faire savoir. Est-ce que tous les nodes vont prendre le trafic entrant? C'est une bonne question. Là, étant donné que ce sont les contrôleurs nodes, je suspecte que eux ne prendront aucun trafic. Dans un premier temps, en tout cas. Mais justement, ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Encore une fois, moi, je découvre Kubernetes en même temps. Hein. C'est complètement de la découverte. Je suis absolument pas calé en Kubernetes, loin de là. Et c'est justement pour apprendre que je fais ce stream. C'est d'ailleurs pour ça que normalement j'ai mis dans les tags notes tutoriel. Hein. Donc, le internal IP. Égal. Donc, hop, on le reprend. Alors, région. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de la région? À quoi elle sert? L'adresse IP interne va être utilisée pour tous les membres du cluster, ok. Récupérer, ok. Et ensuite, où est-ce qu'à un moment il va utiliser la région dans son truc là? Alors je vais faire un petit. Il est où le petit truc? Ah, hop là. On va copier-coller, je vais aller me chercher un petit gedit. Voilà. Je viens voir par là. On va augmenter un peu la taille de la police de caractère, histoire que vous y voyez quelque chose. Allez, hop, on va monter à 24. Voilà. Alors, pas de soucis, t'apprends aussi. T'apprends pas, mais t'aimes bien. Bon, bah écoute, si t'aimes bien, c'est déjà pas mal. Donc, internal IP, ok. Et moi, ce que je voulais, c'était chercher le mot région. Oups. Voilà. Donc, a priori, le mot région n'est pas là-dedans. Mais si ça se trouve, il va nous le faire dans un autre truc. Et surtout, on a le Kubernetes public adresse. Est-ce qu'on a un public adresse quelque part? Ouais, on l'a ici. Est-ce que par hasard... Salut à toi, Yoda. Ça faisait longtemps que je t'avais pas eu sur le chat, je crois. PipeGrep... Alors, c'était quoi, public adresse? Non, pas ici. Allez, on va aller en récursif. Donc j'avais décidé que l'adresse IP publique ce serait 10.240.0.2. Allez. Donc, mais en fait, voilà. Hein, on va pas s'embêter la vie. Hop. Ah, une fois, ça devrait suffire. Hop. Ah, les vacances. Les vacances. Bah écoute, j'espère que tu en as bien profité. Moi, j'ai hâte. donc, cette variable-là, 6, c'est le même micro que d'habitude. Il est là. Hop. Il se trouve que en début de session... Hop, en début de session, ça a saturé un peu. Donc j'ai légèrement enlevé du gain. Alors peut-être que je le mets un petit peu plus loin que d'habitude. Il y a un petit écho. Ah.
Alors, mes onglets Twitch sont mutés. Mon retour vidéo, ma machine de retour vidéo est mutée. Ok, de la réverb. Bon, il faudra que je... Jack qui a pas d'écho, ok. Iris Jack qui rajoute quel beau mot magique, vacances. Ouais, bah, chacun son tour, j'ai envie de croire. Ah bah merci. Merci Plop. Ok, bon. On va espérer que c'est juste du côté de Yoda alors. Alors, a priori, j'ai plus qu'à. Alors, non, les ETCD serveurs, voilà, ça il faut que je les modifie aussi. Oui, c'est bientôt pour moi. Alors, les vacances de stream. Les vacances de stream, c'est ce soir. C'est-à-dire qu'en gros, là, c'est le dernier stream avant les vacances. Et je ne streamerai pas pendant 3 semaines. Et par contre, en gros, la semaine prochaine, on va dire que je suis en déplacement. Et après, ce sera les vacances. Donc. Ah non, ça c'est les. Hop là. Alors, où est-ce qu'on était? Voilà. Alors, est-ce qu'il met les. Il dit juste les IP comme ça. Donc, il me faut 101, 185 et 171. Hop. 101, 185 et 171. Et ça c'est bon. Une fois que ça c'est bon, ben, on copie, hein. Hop. Juste, ouais, il a eu le 4, ok. Alors, du coup, on colle, voilà. Ensuite, on revient dans le tuto. Qu'est-ce qu'il nous dit? De créer un fichier cube API Server Systemd UnitFi, ok. Donc, on va le copier aussi, mais on va pas le coller bêtement. On va créer, hop, ici, on se rajoute. Alors. C'est pas le même, hein. Ah si, c'est le même, ça, cube API Server. Donc je me suis trompé. Faut que je redescende. Alors, attends, je dois être sûr de ne pas en avoir loupé un. Hein. Non, c'est bon, c'est bien celui-là. Donc ensuite, on déplace le fichier de kubeconfig. Est-ce qu'au moins il y est? Oui, il y est. Le cube contrôleur manager, ouais, il y est. Hop, donc ça, on peut. Ensuite. Et ensuite, il faut refaire une unité systemd. Donc on va vérifier que cette unité systemd là, elle est correcte. Est-ce qu'il y a des choses à changer? Bind adresse, ok. Cluster CIDR, ok. Donc a priori, nos conteneurs vont être dans ce subnet là, en fait, et pas dans le subnet des VM qu'on a. Et a priori, nos services auront des IP dans ce sous-réseau-là et pas dans ceux qu'on a déjà. Et a priori, rien de particulier à changer. Donc, voilà, ça c'est fait. Ensuite, le scheduler. Donc, pareil, on a un fichier de conf kube config. Ok. Ici, on a dit que c'était très bien, donc on peut le fichier de conf, voilà. Ensuite, on a une unité systemd, on avait dit qu'il n'y avait rien à modifier dans celle-ci. Et ensuite, on peut démarrer les services de contrôleur. Hop. Oh, ils ont été démarrés. Ils ont été démarrés du premier coup. Ah non, fêlure. What? Non. Active, activating, auto restart, result exit code.
Code existé, c'est un fêlure. What? 101, 185, 161. Ok. Et a priori, il faut attendre 10 secondes que ce soit initialisé totalement. Ouais, alors 10 secondes après, sachant que il est bien gentil le tuto, mais les VM chez Google doivent avoir un petit peu plus de patates que mon Home Lab. Pourtant, hein, loaded, active, activating, auto restart. Bon. Il est censé avoir lancé quoi exactement? Je revérifie. Alors, il est censé avoir lancé la commande cube-api server. Donc, si je fais un petit pgrep là-dessus, qu'est-ce que ça donne? Ah, il est lancé. Ah, tiens, il n'est pas lancé sur le... Ok, donc a priori le truc... Ah, voilà, ok. C'est le temps qu'ils se mettent d'accord. Ouais, c'est un petit peu plus que 10 secondes, hein. Ouais, je suis moyen emballé là, hein. Le truc, il a l'air de... 27... Attends, le truc, il a redémarré 27 fois déjà. C'est quoi cette blague? Alors, qu'est-ce qu'il dit le truc? Il faut attendre... Il faudrait attendre en fait, c'est ça? Ouais, bon, à mon avis, juste pour lancer un Nginx et lui faire faire les trucs de test, à mon avis, on va avoir l'API serveur qui aura démarré. Alors, Charconnet, salut à toi. Et je suppose, ouais, first time chat, bah, bienvenue. Yo, le temps que TCD élise le leader du cluster. Ouais, TCD, ça bouffe pas mal de ressources. Ouais, donc on a le temps d'installer à côté le petit Nginx et de lui faire son petit, sa petite conf. On va espérer que... Salut Osnerol, ouais, Kubernetes ce soir. Bon, bah allons-y, hein. Sudo... apt-get, sérieux? Ok. Soit. En tout cas, chez toi, ETCD prend quelques pourcents sur ton cluster. Ok, bon à savoir. En tout cas, merci du tuyau, hein, Charconnet. Alors, Nginx. Ok, il est installé. Et ensuite, on lui crée un petit fichier de conf. Tout mignon, tout plein. Voilà. Alors, Osnerol, je dirais même cluster à 6 nodes. Parce que pour l'instant, on est en train de juste d'être sur le... comment dire? Sur les contrôleurs. Et après, il y aura les workers.
Et donc il y aura 3 contrôleurs et 3 workers. C'est incroyable, quelle vitesse, mais tellement dur à prendre en main. Oui, je suis assez d'accord. Donc maintenant que j'ai créé mon fichier de conf, ouais, tu le déplaces dans... Il fait ça quand même un peu bourrin, hein. Il balance directement le fichier dans, dans Sites Enabled. Ah non, si. Ah non, c'est IFRLN-OASIS, ok. Et ensuite, hop, un petit restore de Nginx. Un Enable. Il aurait pu faire un Enable moins moins now pour gagner des commandes, non? Vérification cube CTL cluster info moins moins cube config. Alors, qu'est-ce qu'il dit? To further the connection was refused. Did you specify the right host or port? Oh. Et donc, je reconnais, tu as un cluster 3 master et 4 workers. Et B. Bah, c'est pas mal ça. Alors, a priori, on n'y est pas encore. La question, c'est est-ce que la partie API serveur. Ah, il est encore en train de se casser la figure. Je vais commencer à me demander s'il ne faudrait pas que j'aille jeter un œil dans les logs. Hein. Error retrieving resource lock cube system cube controller manager connection refused. Alors, qu'est-ce qu'on aurait loupé? Qu'est-ce qu'on aurait loupé? Merci beaucoup pour le follow NeoKiller51. Merci à toi. Donc a priori, c'est cube API server qui est censé écouter sur le port 6443. Hein. Cube controller manager. Bind address 0. Alors, il cherche à aller voir un truc en HTTPS sur la machine locale sur le port 6443. Effectivement, j'ai rien. Alors, qu'est-ce qui est censé écouter sur le port 6443? Je suppose que c'est le cube API serveur. À moins que ce soit autre chose. Non mais avant on a démarré etcd en fait avant. Oui c'est ça. Donc le etcd lui il passait, il est sur port 2379. Donc c'est le premier truc qu'on démarre en fait, le cube API serveur.
Je vais peut-être le stopper et le restarter proprement. Alors, si je fais un status, il me dit. Hein. Bon, de toute façon, il est coupé, mais bon. Alors, je suis en train de me dire que, vu que ce sont des images Ubuntu Cloud que j'ai, est-ce qu'elles seraient pareilles sur Ubuntu? Enfin, sur Google Cloud? Est-ce que, par exemple, il n'y aurait pas un firewall quelconque? On remarque sur localhost, ce serait quand même assez, assez fou. Moi, j'ai un modem manager. Ok. Pourquoi pas. Nginx qui tourne. Ok. Snapd apparemment. Oh là là. Remarque, je m'en plains, mais bon, on me dirait il y a Flatpak aussi, hein, côté Radat. Alors, je vois rien qui ressemblerait à un truc de firewall. C'est quoi déjà le truc qui fait le firewall sous Ubuntu par défaut? Bon, j'ai rien vu qui. UFW, ouais. Alors, il y a UFW. UFW, service. Pourtant, Cluster, tu avais utilisé Ubuntu Cloud aussi, mais légèrement modifié pour supprimer quelques trucs inutiles, genre Snapd. Oui, bah effectivement, Snapd, je comprends que tu l'aies retiré. A priori. Au moins, audite-le. Alors, attends. Audit log pass var log audit.log. Ah, il chouine toujours. Non, on avait dit audit. Ouais, j'ai même pas d'audit, tiens. J'ai un house log, mais ça, de toute façon, pas servir à grand chose. Log, 6 log, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah bah il nous dit ça, hein. Failed with result code, failed to watch. Je suis en train de penser à un autre truc à la con. À part mort,
C'est peut-être activé par défaut, ça. Est-ce que ça viendrait pas... Là, par Maor, non. Hop. Armor. Apparemment, est installé par défaut. Ouais, ok. Mais a priori, il n'y a pas de raison qu'ils viennent chouiner. Plop. Alors, il y a trois outputs parce que je suis sur trois machines à la fois et que les commandes sont synchronisées, en fait. Donc là, en fait, ici, je suis sur node 1, ici, je suis sur node 2 et ici, je suis sur node 3. Ce qui me permet de configurer les trois nodes en même temps. Bon, il n'y a a priori pas de raison que ça vienne chouiner, mais à la limite. J'aimerais bien qu'ils me disent si jamais. Alors, charger un profil, c'est pas ça qui m'intéresse. J'aurais bien aimé qu'ils me disent hey, au fait, j'ai eu des erreurs, j'ai bloqué des choses, quoi. C'est tout à fait ça, Yoda. Il y a un service cube qui refuse de se lancer correctement. Le truc, il boucle en essayant de restarter, et puis en fait, il n'y arrive pas. Bon, je vais mettre le truc en mode complain. Je vous avoue que j'ai pas forcément prévu de passer toute la soirée à apprendre à part mort. Ah bah alors comme ça au moins ça a le mérite d'être clair. Alors Yoda, je te donne un petit instant et je te montre ça. Voilà. Ouais, bon, ok, il y a une force mode aussi. C'est une possibilité, c'est une hypothèse. Je vais quand même revérifier à nouveau. Hop. Donc c'est le cube API serveur qui chouine. Et a priori, non, c'est pas apparemment le souci. Il me refait un exit. Et si je refais un journal CTL, il me dit quoi? External host was not specified using. Ok. Alors, tu veux que je fasse un journal CTL? Hop, moins N, moins. Ah oui, moins N20, cube API server. Hop. Poum, 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 poum. Alors là, il me dit Error Parsing Encryption Provider Configuration. Ah, ça y est, là on a un truc. Error while parsing file, ligne 13, could not find expected 2 points. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a, ligne 13? Je vais faire un truc moche. Hop. Ligne 13, kind encryption config. Oh, c'est parce qu'il y a un 4. Ok, d'accord, ok. Ah, ok, d'accord. Non, mais voilà. Donc,
Voilà. Bien vu Yoda. Le journal CTL, je le maîtrise vraiment pas. Va vraiment falloir que j'en prenne l'habitude. Il est où le statut, ça? Bon, allez, hop. Ok, ça a l'air mieux là. ouais. Effectivement. Ouais, GG Yoda. Parfait. Bon, ensuite. Alors ça, à part mort, on a dit qu'on s'en fichait maintenant. Hop là. Hop. Et donc on a normalement un truc Nginx qui doit maintenant fonctionner un peu mieux. Voilà. Alors déjà ça, le cube CTL cluster info, est-ce que ça marche mieux? Oui! Ah! Ça, c'est chouette. Ensuite. Le petit curl qui va bien. HTTP 1.1200, ok. Ah, ça c'est chouette. Et on va pouvoir avancer sur la suite. Ah, il y a des trucs Xkubernetes déjà? Ah oui, Xkub, ok. C'est bon à savoir ça. Donc, dans cette section, on va configurer les permissions pour autoriser l'API serveur Kubernetes à accéder à l'API kubelet sur chaque worker. Oui, mais les workers, on les a peut-être pas encore configurés. Ah, il va peut-être nous les faire configurer. Cet accès à cette API, ça permet de récupérer des métriques, des logs et d'exécuter des commandes dans les pods. Ok. Les commandes dans cette section vont affecter le cluster en entier et ont juste besoin d'être. Ah, ok. Donc sur un seul. Ok, donc a priori, à partir de ce moment-là, là, je peux faire un petit synchronize pane off. Hop. Remarque, ce que je vais peut-être faire, plutôt que de m'embêter. Non, voilà. Hop. Je vais plutôt aller ici et puis je vais aller me connecter sur. Zut. Sur le node 1. Voilà. Voilà, comme ça. Là, on sera bien. Alors, est-ce que il y a des trucs là-dedans? Est-ce qu'il y a des trucs spécifiques? A priori, non. Voilà. Donc, alors le serveur d'API Kubernetes s'authentifie auprès du kubelet en tant qu'utilisateur Kubernetes en utilisant le certificat client défini par le flag kubelet client certificate. Ban the cluster role, ok, soit. Alors je vous avoue que j'ai un peu de mal à tout saisir là. Alors. Cette fois-ci, le front-end load balancer. Alors. Alors, peut-être falloir qu'on copie tout ça. Mais pourquoi il m'a pas le. Il met pas le petit le petit carré là pour copier-coller? Ok. Ça par contre, on va les mettre dans gedit. Voilà. On va peut-être dézoomer un petit peu.
Hop. Ouais, ça devrait aller. Donc a priori déjà, on a le Kubernetes public address. Le Kubernetes public address, on l'avait récupéré. Il est là. Niveau 10240.02. J'avais mis entre côtes, hein. Hop là. Voilà. Remarque, hop, reviens par là. Donc le gcloud machin chose, ça on s'en fiche. Ah mais attends, c'est que des gcloud quelque chose, donc ça à la limite on s'en fiche en fait. Oui, parce que c'est les ressources externes, ok. C'est les ressources externes côté Google. Donc ça, à la limite, c'est pas très grave. Vérification. Donc a priori, cette IP-là, maintenant, elle est portée. Donc je pourrais aller sur, justement, Node 0. Et je pourrais faire un petit curl avec le ca.pvm. J'ai bien mon ca.pvm ici. Ouais, bien ce que je craignais. Ah, mais ça va être parce que c'est le load balancer de chez Google. Par contre, ce que je peux faire, c'est le faire sur les IP de mes différents nodes, qui sont justement 10240.0.101. Là, on est bon. 185. Là, on est bon. Et 171. Là, on est bon. Alors, ce que je vous propose... parce que habituellement je stream pendant à peu près 2 heures et là ça fait déjà 1h45 que j'ai déjà démarré. A priori après ce serait bootstrapping les worker nodes. À mon avis ça risque de prendre un peu de temps aussi. Donc ce que je vous propose pour la fin de ce stream, c'est que au lieu de d'attaquer et de pas finir les worker nodes, histoire qu'on ait un truc un peu qu'on ait une thématique sur laquelle on termine proprement sur ce stream là, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais carrément installer sur Node 0 un autre Nginx. Node 0 lui il fait pas partie du cluster, donc je mets un Nginx. Et je le configure en mode load balancer vers les machines. Salut à toi de me faire pas rire. Mais c'est pas grave si t'as tout loupé. De toute façon, il y a le replay. Il y a la VOD. Donc je pense que je vais faire ça. Et puis on pourra ensuite se faire un petit curl qui devrait, on pourra peut-être même le faire pointer sur le Bignou. Et on pourra même utiliser justement le Nginx lancé pour avoir le... peut-être pour avoir le... mince, le... la page de vie qui permet de... Quoique, est-ce que Nginx le permet? Je sais plus. Je sais plus si c'est pas dans la version pro Nginx Plus. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en termes de list check? Enable, timeout, fail count, send. Merci beaucoup pour le follow Idriss Softmax Deep. Merci à toi. Ouais, je sens qu'on va faire ça. Allez.
Alors, qu'est-ce qu'il nous avait mis un peu plus haut comme conf? Ouais, ok, bon, soit. Je pense que je vais aller en mode YOLO dans. C'est des sites enabled. Voilà, je vais aller charcuter le fichier de default, allez, carrément. Ok, soit. Alors. Poum. Alors, j'ai un doute sur upstream fair balancer. Bon, on va aller en mode YOLO. Nginx load balancer. Hop. Ah bah voilà. Parfait, la doc officielle. Donc, dans les trucs HTTP, ah oui, directement dans la conf, on peut faire un upstream comme ça. Donc, ce que je vais peut-être faire, c'est hop, HTTP include, ouais, ok, conf.d, ah bah, parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler Kubernetes, hop, Kubernetes hardware.conf. Hop, on met ça dedans. Sauf que les upstreams, ça va être. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les IP, histoire de ne pas m'embêter. 10.240.101.185.171. Et a priori, ce sera sur le port 6443. Donc j'ai dit 100, 185 et 171. Hop. Et ensuite, dans le listen, on met un proxy pass comme ça. Ok. Vendu. Allez, faudra peut-être que je. Hop. Et l'upstream, on va l'appeler Kubernetes Hardware. Hop. Ensuite, j'ai dit que default, j'allais lui dire, au fait, hop, dans le location, proxy pass. J'ai dit Kubernetes Hardware. Voilà. Et ensuite, bon, les sessions persistantes, on s'en fiche. Les wait, on s'en fiche. Voilà, les heals check. Les heals check. Hop, ils sont là. Est-ce que c'est uniquement du. Alors déjà, on va peut-être déjà essayer de faire marcher ce truc-là. Ok. Donc ensuite. Ensuite, sur notre. Hop. Sur la fin, il nous disait. Ah, on aurait dû le faire écouter sur le. Et en HTTPS en plus. Ouais, bon. Bah tant pis, hein. Cœur, l'HTTP 2.//. On va dire note 0. Ah! Me serais-je planté dans les. Ah oui, bah oui, les trucs sont en HTTPS.
Alors Idriss, tu es presque perdu. Est-ce possible une petite intro? Une petite intro juste avant la fin? Ouais, effectivement. Alors, l'objectif initial, c'est de mettre en place un cluster Kubernetes. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que Kubernetes, mais je vais le dire après. Mais en gros, l'idée, c'est de mettre en place ce cluster Kubernetes en utilisant comment dire, une documentation. Hop, que j'en profite pour repaste. Et en gros, c'est Kubernetes The Hard Way qui a l'air d'être assez connu dans le milieu. Normalement, il faut le faire sur GCP, sur Google Cloud Platform. Moi, je le fais en local sur une machine avec des VM dans un Linux avec KVM. Donc, il y a des trucs qui changent, notamment tout ce qui est commande GCP, du coup, il faut que je remplace. Et donc, dans la section, on était à Bootstrapping the Kubernetes Control Plane, donc section 8. Et il se trouve que cette section 8, elle se termine à un moment par, au fait, on a mis en place un load balancer chez Google. Et en gros, vu que j'avais une machine justement pour gérer un certain nombre de choses, je me suis dit, je vais installer un Nginx dessus pour faire load balancer. Sauf qu'a priori, il faudrait que je fasse ça directement sur un VHost HTTPS. Pop, 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 pom. Oh de rien, à ton service. Et là, je suis en train de me dire, fichtre. Il n'y a pas de truc HTTPS par défaut là-dedans, avec ne serait-ce qu'un certificat autosigné. SSL settings, ok. Ok, soit. Alors pour être honnête avec toi, GnuPG, je ne connais absolument pas Kadi. Donc je me voyais mal démarrer avec un truc que je connaissais pas. Du coup, ce que je vais faire. Alors, de mémoire, je crois qu'il existe un paquet quelque part pour avoir un certificat SSL auto-signé à l'arrache, non? Mais je me rappelle jamais du nom du paquet. Non, ça c'est le magasin de certificats. Ok. Ouais, Yoda, il y a un paquet Debian, je crois. Je sais pas s'il est dispo sur Ubuntu, qui te permet d'avoir un certificat SSL par défaut en mode auto-signé à l'arrache complet. Alors je l'utilise jamais, c'est pour ça que je me rappelle jamais du nom. Je sais que sur mon blog perso, je m'étais fait un petit one-liner en mode vas-y si t'as besoin d'un certificat à l'arrache. Bon, je vais le faire en mode l'arrache en utilisant mon petit truc sur ma page perso. Hop. Je vais en profiter pour faire un petit peu de pub de façon totalement éhontée. Bon, le lien passe pas très bien en plus. Dommage. Il aime pas les virgules et les caractères accentués Twitch. Le chat Twitch en tout cas. Donc allons-y. Voilà. Mode à l'arrache. Hop. Il a pas aimé. Ah, est-ce que je l'aurais pas en. Ah, si je l'ai fait en. Ah, punaise.
Ah non, pourtant je l'ai fait en plusieurs lignes. Non. Open SSL. Rec, oui. Et donc il est pas content. Alors, on va le faire tout en une ligne. Mal. ETC, SSL. Ouais, je vais le mettre là, allez hop, YOLO. Ensuite. Qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire, hein, ECP-EP2 default underscore SSL. Hop, bon, ça on s'en tamponne. Voilà. Ensuite, on va lui faire un petit listen 443. Et on va lui dire SSL HTTP2. Hop, et est-ce qu'on va dire default server là-dessus? Ouais, non. Peut-être le server name, bah, de toute façon ça va être underscore. Ah bah tiens, il y avait les trucs là. Ok. Ouais, mais attends, mais dans ce cas-là, je vais peut-être pas... Oh, si, si, si. Allez, on va faire... Hop, hop. Et à un moment, il va nous falloir les certificats. Est-ce que à un moment, il a un truc en mode SSL certificate ou pas? Ça, on s'en fiche, ça dégage. Hop. Bah, écoute, on va lui mettre là-dessous. Hop. Donc, SSL certificate. Et donc j'ai mis dans ETC SSL default. J'ai mis quoi exactement? Default.key et default.crt. Ok. Default.key. Hop, avec le point virgule. Et SSL certificat. Ah oui, non mais du coup c'est celui-là, c'est le certificat, donc c'est le CRT. Hop, et ensuite, lui, ce sera le point key. Ok, ça, allez, ça, on s'en fiche. Server name, nanana, ça, ça dégage aussi, j'en ai pas besoin. Et ça, à la limite, du coup, bah, le proxy pass, il va peut-être se faire en HTTPS, en fait. Et là, ça va faire des chocs à pic, non? Oh, du premier coup, dites donc. Alors, oui, bah oui, self-signed, donc moins moins insecure, hein. Moins moins acme, please. Paf, 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 slash version. Ouais! Ah, ça, c'est cool! Ça, c'est cool, voilà. Alors, c'est ça, tac, tac, tac. Alors, est-ce que c'est clean? Presque du premier coup, quand même, le VHost Nginx en HTTPS. Hein. 1.21, ok. Git commit, ok. Nanana. Donc, si je recommence ici... Bon, alors du coup, je vois pas la différence entre les trois machines, mais voilà. Voili, voilou. Donc, on a le...
On a un petit lot de balanceurs pour checker ça. Et à la limite, est-ce que on tenterait pas le health check pour le rajouter? Alors il faut le mettre où le health check? Ce module n'est pas distribué avec le A. Ah, c'est pas un module officiel? Ah, il faudra peut-être que j'aille vérifier dans ce cas-là si. Alors, une search Nginx module available. Ouais, ok, bon, je l'ai pas par défaut. Est-ce que dans tous les trucs on aurait non, j'ai rien. Donc à la limite ça veut dire que c'est mort. Alors idéalement, en fait, si je voulais vraiment faire du health check, il y aurait moyen de s'arranger avec HAProxy, mais je suis pas assez confort avec HAProxy pour vous claquer une conf comme ça. Hop. Bon, bah je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Alors c'est pas ça que je voulais vous montrer, je voulais revenir là-dessus. Et donc on a fini l'étape 8. Voilà. Donc on a réussi à a priori bootstrapper notre control plane de chez Cube. Ok. Et donc lors du prochain épisode, on pourra commencer à mettre nos workers dans le cluster. Et là, on va pouvoir commencer à approvisionner des trucs. Il y a peut-être à mettre. Est-ce qu'on mettra des. Est-ce qu'on mettra des conteneurs déjà? Mais déjà, l'étape 8. Containerd, kubelet, kubernetes proxy, worker service, vérification. Ok. Ok, et bien ce sera l'objet du prochain épisode sur le sujet. Du coup, d'ailleurs, à ce propos. Hop, on va repasser comme ça. Merci beaucoup pour le follow, GnuPG. Merci à toi. C'est très gentil. Alors, habituellement, je stream deux fois par semaine. Je stream les jeudis de 20h à 22h et je stream les dimanches de 18h à 20h. Sauf que, je t'en prie, hein, ça me fait plaisir d'ailleurs de streamer. Je le fais pour le plaisir. Rebonsoir Osnerol, t'arrives justement pour la fin. En gros, les 3 prochaines semaines, je ne streamerai pas. Je vais mettre la chaîne en vacances. Merci pour le follow, cher Connais. Merci à toi. Donc, écoute, ravi que la découverte te plaise. Donc, je vais être du coup en vacances ce soir. Mais t'inquiète pas, Osnerol, il y a la VOD, il y a le replay. Donc, merci Riz Jack. J'espère que oui, elles seront excellentes. Puisque voilà, je prends mes vacances légèrement en décalé. Normalement, vous avez tous vos streamers adorés qui ont dû passer leur mois de juillet et leur mois d'août tranquillou. Et ben moi, ce sera plutôt fin août, début septembre. En temps normal, je stream les jeudis et les dimanches. Du coup, on se reverra pas avant. Alors, si j'ai de la chance et que je suis motivé, mais je vous promets rien, il se peut que ce soit genre le 11 septembre. Mais comptez pas dessus. À ce moment-là, ce sera du Kubernetes. Et sinon, ce serait plutôt dans ce cas-là le jeudi d'après, et du coup, ce serait le jeudi 15. Habituellement, le jeudi, je fais pas du cube, je fais ce que j'appelle du lab as code. C'est-à-dire qu'en gros, j'essaie de me monter une maquette qui est représentatrice, qui représente un peu l'Internet public, avec du routage dynamique, ce genre de choses-là. Et en gros, je fais ça avec des outils d'infrastructure as code et de gestion de configuration, c'est-à-dire typiquement du Terraform, du Cloud Init et de l'Ansible.
Et du coup, pour le routage dynamique, c'est du BGP pour faire comme sur Internet. Si jamais vous voulez voir les anciennes vidéos, alors je crois qu'il n'y a pas énormément de rétention sur la chaîne Twitch. J'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle je mets les anciennes vidéos. Je suis assez en retard, mais je profiterai des vacances pour publier justement quelques vidéos et rattraper le retard. Enfin, rattraper, peut-être pas rattraper, mais au moins être un peu moins en retard. Si jamais vous voulez qu'on discute ensemble entre les vidéos, vous avez normalement là-dessous les informations pour rejoindre par exemple le Discord, pour me suivre sur Twitter ou sur Instagram. Même si sur Instagram je fais pas beaucoup de trucs de geek, je poste plutôt des photos de moi en train de faire du sport. Mais chacun son truc. Si jamais vous voulez retrouver toutes les adresses, justement tout ce qui est la chaîne YouTube, les réseaux sociaux et tout ça, vous faites point d'exclamation socials dans le chat, vous allez vous retrouver avec ma page perso qui recense toutes mes présences sur les réseaux sociaux. C'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a plu autant à regarder que moi à la réaliser. Je vous souhaite du coup une excellente fin de week-end, un bon début de soirée. Je vous donne rendez-vous du coup au mois de septembre. D'ici là, amusez-vous bien et puis à bientôt sur les réseaux sociaux. Allez, ciao, ciao !